Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog de rentrée. Je suis actuellement malade, je suis à bout, je suis en train de pleurer tellement que je tousse, c'est génial pour un début de rentrée. J'ai cours à midi donc je vais pas tarder à y aller, il est 11h moins le quart. Je suis vraiment très malade, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me lever ce matin parce que j'ai passé une nuit horrible, vraiment je sais pas comment j'ai fait pour mettre un pied par terre ce matin. Donc j'ai cours de droit du travail ce matin pendant 1 heure et le restant du cours pendant 2 heures, c'est de 16h à 18h, donc vraiment un emploi du temps tapeur. J'espère vraiment que la prof aura un livre, que j'arrive mieux à apprendre le droit sur un livre. J'ai mal à parler, je suis désolée, ce matin ça va vraiment pas, je suis au bout de ma vie. J'ai rendez-vous chez le médecin à 14h20, donc je pense que je vais assister à 1 heure de cours de droit de travail, après j'irai chez le médecin et je rentrerai chez moi à dormir parce que vraiment je suis à bout. Donc on va se dépêcher, je vais essayer de vous montrer un petit peu comme je peux les amphis, etc. Enfin ma semaine de cours, donc ma semaine de cours commence mercredi. Je n'ai pas cours le lundi, enfin j'ai réussi à ne pas avoir cours le lundi et le mardi. Donc vraiment j'ai bien optimisé mon emploi du temps, ça c'est vraiment cool, par contre je travaille le samedi. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, je rentre en M1 Master Gestion Globale des Risques et des Crises à Panthéon-Sorbonne. Je suis la seule de gestion finance à être prise, donc de l'EMS à être prise dans ce master là. Donc c'est parti, parce qu'on va être en retard là, il est 10h51. Je mets environ 1h10 pour aller à la fac. Donc c'est pas la porte à côté non plus. J'ai fait un outfit vraiment le plus simple possible. Donc voilà mon sac de cours. C'est le sac qui vient de chez Shein, il est très bien. Ça c'est un truc pour mettre mon Mac, mais je mets ma tablette dedans. Et le Mac et la tablette rentrent là-dedans aussi. J'ai plus de voix, ça m'énerve de commencer cette rentrée en n'ayant plus de voix, en étant malade comme un chien là. Ce téléphone, j'en peux plus. Vivement que ça change là. Bon, il est 10h52, je me dépêche. Je me suis fait aussi un petit café pour m'accompagner durant cette journée qui va être assez compliquée pour ma personne. J'ai vraiment le seum d'être malade, c'est pas possible. Il est vraiment pratique ce sac, on peut mettre des bouteilles d'eau un peu partout, on peut mettre nos médicaments, une petite barre au cas où. Bon, je suis en retard comme d'habitude, là c'est la place de la fontaine, donc normalement il y a une fontaine et tout qui jaillit. Et mon entrée elle est juste à côté, il est, oh là là, il est midi 1, je me fais engueuler par Cindy. Que vous soyez salarié, employeur, c'est sans arrêt confronté à des problèmes. Bon, je viens de finir mon amphi, il était horrible, il fait super chaud, il n'y a pas de fenêtre, les tables sont horribles. Là je vais aller prendre un truc à Carrefour parce que j'ai super faim. Et après on va aller au médecin parce que c'est la merde, j'ai plus de voix. Et c'est cool parce que j'ai vu plein de gens de Paris, hein, enfin de mon TD, donc c'était vraiment super sympa. Alors je vous montre un peu, là c'est le Panthéon en face de nous. Et en gros sur la gauche il y a toute la Sorbonne. Devant le Panthéon c'est le Panthéon, pas Panthéon Sorbonne. C'est super beau, il y a plein de petits commerces, il y a le McDo, il y a le Burger King. Il y a Dalloz, la base. Donc voilà, là c'est le Panthéon, c'est super joli. Là-bas, là, il y a tous les gens là-bas, on peut manger sur les bancs, etc. Genre c'est super sympa. Là, t'as l'entrée côté Panthéon, donc là c'est Panthéon Paris 1. Et derrière, vous avez la Sorbonne, donc c'est deux entrées différentes. Donc là, c'est l'entrée pour CUJAS, c'est une grande bibliothèque, elle est super jolie, mais par contre pas très pratique pour se poser ou autre. Et derrière, en fait, sur la gauche, il y a la BSB. Sauf que la BSB est en travaux en ce moment, donc on peut pas y accéder. Il faut savoir que la BSB c'est vraiment notre QG, c'est là où on se posait tout le temps, c'est toujours... c'était un grand hall avec beaucoup de verdure et tout, avec le café surtout. Et là c'est fermé, on est dégoûté, on peut pas se poser, on peut pas travailler. Il y a que CUJAS et CUJAS c'est très limité. Et ils ont pas donné de date de réouverture. Donc on est ravis. Ensuite après le Panthéon, donc après toutes ces petites tables là, on a Picard. Picard c'est assez bien pour manger le midi. Ils font des repas à 2 euros, enfin vraiment tu réchauffes à l'intérieur. Tu peux même manger à l'intérieur. Et c'est plutôt pratique quand t'as pas le temps et tout et tu veux manger un petit plat chaud. Donc là on a dépassé Henri IV et en fait juste après Henri IV vous avez la place Mouffetard. Avec la petite fontaine, vous avez plein de petits restaurants, vous avez une bonne crêperie aussi. Donc voilà, c'est dans cette place-là, vous allez tout droit et vous avez une belle place trop mignonne avec plein de petits restaurants. Donc là, je vais à mon médecin, je me dépêche, je sais même pas si vous me voyez parce que je vois strictement rien. Je vais à mon médecin, c'est à Villejuif. Au final, le premier cours, c'était assez opérationnel dans le sens où c'était pas vraiment un cours. C'est plus cet après-midi que ce sera un cours. Il nous a donné la bibliographie et j'ai vu qu'il avait un livre. Donc j'irai le voir, j'irai l'acheter demain pendant ma petite pause. Mais il a l'air assez sympa, genre il est drôle, il donne des bons exemples, donc à voir.
j'espère en tout cas que son livre sera bien, parce que là je pourrais pas trop assister au deuxième cours parce que je suis vraiment HS. J'ai un mal de gorge tapeur, j'ai la voix d'un camionneur. Bon, il est 17h30, je viens à l'instant de rentrer de chez le médecin. J'ai passé quand même beaucoup de temps chez le médecin, environ une heure, pour vous dire à quel point ça va pas. Donc j'ai plein de médicaments à prendre, bon déjà à cause de ma gorge. On m'a prescrit des petites séances et tout, je la revois la semaine prochaine et franchement c'est un super bon médecin. J'en ai un juste à côté de chez moi mais c'est un gros con. J'ai vraiment tout de suite senti quelqu'un de très protectrice, compréhensive. Je lui disais un truc, elle finissait ma phrase et on avait la même pensée et franchement je suis ravie de tomber sur un médecin comme ça. Donc celle-là je suis trop contente, donc j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine et dans un mois. Voilà, je suis fatiguée, je suis à bout et il serait temps de me reposer. Voilà, j'ai décidé cette année de me reposer, de faire une pause dans ma vie, que j'aille mieux parce que voilà, la L3 m'a complètement brisée en deux. Voilà, j'ai pas pu aller en cours donc de droit du travail juste après, j'espère que mes potes pourront me donner leurs notes. Et j'ai regardé le livre du droit du travail, il fait 804 pages, il coûte 45 euros. De base, les livres comme ça fait 100 pages. Là, 804, je me dis, il y a beaucoup trop de choses, je pense. Donc, il faudrait voir si quelqu'un a un cours ou je sais pas. Parce que 45 euros, 804 pages, ça fait un peu lourd. Donc, je me suis pris un Happy Meal pour manger un petit peu, parce que je n'ai pas mangé depuis hier soir. Il serait temps de manger, enfin, j'ai mangé juste mon banana bread ce matin. Et on va manger un petit Happy Meal. J'ai plein de papiers à donner là, à ma sécu, à tout. Là, j'ai plein de paperasse à faire. Et en fait, j'ai fait tellement de pharmacie. J'en ai fait 6, je crois, parce que personne n'avait mon antibiotique. Il n'y avait que celle qui était juste à côté de la maison qui en avait. Donc j'ai fait toutes les pharmacies pour rien. C'est beaucoup de temps dans les transports à faire des va-et-vient. Il fait super chaud dehors. Je suis en nage. On va prendre les médicaments pour l'angine blanche parce que j'ai une angine blanche, voilà, je suis ravie. Malade comme un chien, ça me brûle. Et voilà, prenez soin de votre santé, c'est très important, surtout les étudiants, salariés qui sont au bout de leur vie, qui sont en burn-out. Prenez soin de votre santé les amis, moi je vais jamais chez le médecin, hein. Là c'est... J'ai jamais vu autant de médecins de toute ma vie là, c'est n'importe quoi. Il est énorme le cachet. Donc bon, je vais manger et me poser un petit peu. Et on se retrouve juste après, de toute façon on est là encore 2-3 jours. Je vous ai pas montré mon emploi du temps mais je l'ai imprimé et je l'ai plastifié. Donc vous pouvez voir que j'ai réussi à mettre tous mes cours du jeudi au vendredi et samedi aussi. Et comme ça je n'ai pas cours le lundi et le mardi. Donc ça c'est vraiment top, je vais pouvoir me reposer. J'ai que 3 du travail le mercredi. Ensuite demain j'ai sport, j'ai ensuite un TD droit du travail et j'ai 4h30 de GGRC, donc c'est la gestion des risques et des crises. Le vendredi j'ai un TD de stratégie d'entreprise, à 11h j'ai le cours de stratégie d'entreprise, j'ai un TD d'anglais et j'ai un amphi de 19h à 20h en recherche et management. Et le samedi de 11h à 13h j'ai Big Data. Donc j'ai très très peu de TD parce que j'ai choisi des matières qui n'ont pas de TD en fait en plus. Donc si j'en avais un autre, c'était technique d'enquête ou je sais pas trop quoi, il y avait un TD. Et il y avait aussi pub et marketing et il y avait un TD. Et le TD c'était le lundi ou le mardi, enfin c'était très très mal dispatché. Donc j'ai préféré ne pas prendre de TD. Je sais pas ce qui est le mieux parce que c'est vrai qu'en TD, on peut gratter facilement des points. Là je sais qu'il y aura un projet en groupe. Là je sais qu'il y aura un projet en groupe qui va être une note. Donc en soi, je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça, ça va être aussi un projet en groupe. Il n'y aura que droit du travail, je pense qu'il y aura des cas pratiques. Mais sinon, voilà ce que ça donne l'emploi du temps. Franchement, je suis trop contente. En plus de ça, je suis arrêtée pendant un mois. J'ai un arrêt de travail. Donc je ne travaillerai pas à Truffaut pendant un mois. Donc ça c'est vraiment top, je vais pouvoir me remettre un petit peu. Donc ça va me faire 4 jours de repos. Enfin on compte pas le 11h-13h de Big Data, mais ça va me faire quand même pas mal de repos. Donc ça c'est vraiment trop trop bien. Je vais pouvoir me reposer et surtout mentalement parlant. On va faire un petit peu le planning de demain. Alors pour demain, j'ai sport et ensuite je n'ai pas TD cette semaine. C'est la première semaine de cours et ensuite la deuxième semaine on attaque les TD. Donc là je n'ai pas de TD demain, j'ai pas de TD de droit du travail, juste sport et GGRC. Donc j'ai sport de 10h30 à midi, la cité universitaire. Je sais pas si je mange là-bas ou si je rentre chez moi puisque à 15h j'ai GGRC. Je sais pas si je fais les allers-retours ou pas. Et c'est pas au Panthéon, le GGRC, c'est un institut de géographie, je sais pas du tout où c'est. Et en fait, il n'y a pas de bibliothèque de libre, en fait, comme je vous ai dit, la BSB, elle est complètement en travaux, donc on peut pas se poser là-bas, j'aurais bien aimé me poser là-bas. Je comptais acheter le livre droit du travail,
demain, pendant mon heure de pause, entre guillemets, manger tranquillement à CTU et après me diriger vers l'Institut de Géographie. Parce qu'en fait, il faut savoir que mon master, il y a 6 personnes issues de... je sais pas, gestion finance comme moi. Et l'autre partie du master, c'est que la licence de géographie, parce que c'est accès et risques géopolitiques, etc. Et moi, en fait, mon master, c'est la gestion globale des risques et des crises. Donc c'est tous les risques et les crises géopolitiques, financiers, tout ce que vous voulez. En M2, on se rejoint tous, la géographie et nous, cette petite secte. Voilà, donc là, on va enfin pouvoir se rencontrer tous, peut-être faire un groupe WhatsApp, ce serait peut-être pas mal. Ensuite, donc le vendredi, je commence à 11h, vu que je n'ai pas TD le matin, je fais stratégie d'entreprise. Et après, je finis à 14h et je reprends à 19h. Donc là, c'est sûr et certain que je rentre chez moi, je vais pas rester 5h là-bas. Et on va aller chercher un petit objet assez sympathique qui est l'iPhone 14. Ça y est, j'ai enfin acheté mon iPhone. Donc je l'ai précommandé à la Fnac de Thier Village. Donc je vais aller le récupérer là-bas quand il sera prêt. Il y a l'amphi Turgo à chaque fois, on a que ça et des cartes. Franchement, le Turgo, il est horrible, il n'y a pas de fenêtre. Il fait chaud, les tables sont horribles, les chaises sont horribles. Franchement, je comprends pas pourquoi on nous fout là-dedans. Sachant que c'est des projets en groupe, du coup, c'est pas très pratique vu que c'est par deux. Donc, les tables sont par deux, c'est pas très très, très bien. Donc bref, voilà pour le programme de la semaine. Après, le samedi, j'ai 11h à 13h à l'amphi Turgo, encore une fois. C'est génial. Je viens de trouver un cours du droit du travail, là. Il a l'air plutôt pas mal. Il fait 50 pages, ça change des 44 euros et des 804 pages. Pourquoi pas imprimer ça? Après, il y a des petits changements. D'habitude, je mets ça sur l'iPad, sauf que quand tu mets sur GoodNotes directement, bah, ça fait un effet un peu moche. Voilà ce que ça donne, j'ai imprimé tout le cours. Alors pour le droit, en règle générale, c'est rare que je le prenne à l'iPad à la main parce que c'est beaucoup de blabla, et en soi les partiels sont souvent des cas pratiques, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de blabla, faut juste connaître son code par cœur et puis normalement c'est bon. Et puis les TD sont là aussi pour faire des fiches de révision, donc voilà, ça c'est cool. Au moins j'ai le cours droit du travail que je retravaillerai toute seule tranquillement à la maison au lieu de me déplacer pour les deux. Après voilà, il y a des petites nouveautés quand même, genre le 16 mars et tout avec le Covid, il y a une petite nouveauté. Donc mais bon, ça au pire c'est pas grave, hein. Voilà, on sait tous que c'est du télétravail. Et voilà, donc ça me fait quand même 50 pages à retravailler, bien évidemment. Puis voilà. Bon, nous sommes le lendemain et je suis carrément en retard. Je suis en train de mourir encore une fois, je fais que tousser. Je pense que vous le voyez à ma gueule. J'ai la gueule toute rouge. J'ai mis mon réveil à 8h30, mais je me suis réveillée à 9h06. Et faut que je parte à 9h30, il est 9h32. Donc j'ai sport de 10h30 à midi et ensuite j'ai cours de 15h à 19h30. Donc on va rentrer à la maison parce que je suis pas prête. Hein. Enfin, voilà, y a rien qui va. Je suis en train de mettre mes chaussures et on va aller au sport à Cité Universitaire. Je vais vous montrer ma tenue incroyable qui est vraiment hyper confortable pour faire du sport. Donc c'est un t-shirt avec un cycliste et des baskets de running. Et en fait, derrière il y a un petit écriteau là. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt mignon. Oh, j'ai une tête de fatiguée, j'ai passé une nuit. Mais une nuit, t'as peur. Genre, j'ai fait que tousser, je me suis endormie à 4h du matin, j'étais au bout de ma vie. Et j'avais trop mal à la gorge. Genre, franchement, cette rentrée, c'est n'importe quoi. Hein. Moi, je comprends pas cette rentrée. Donc, je vais prendre ma gourde. Je sais pas si elle rentre dans mon petit sac, parce que je vais prendre un petit sac. Je prends ça avec moi. Ah, ça rentre plus ou moins. Oui, ça rentre un petit peu. Je vais prendre ce qu'il me faut, juste le passe Navigo, carte étudiante, et il me faut un jeton pour les vestiaires. C'est parti, on y va, et je vais prendre peut-être un petit blouson pour sortir parce qu'il fait un peu froid. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de manteau. Incroyable, alors c'est un outfit incroyable, vraiment top. Hein. Ah mais je peux pas vous embarquer avec moi si je prends ce sac, oh fait chier. Bon, et bien je vais devoir vous laisser là, je suis désolée, je n'ai pas de place pour vous. Quand j'aurai un iPhone, j'aurai de la place pour vous filmer, mais là je ne peux pas. Là c'est universitaire, j'ai peut-être filmé des petits trucs en story, puis bah, c'est parti, je suis super en retard. A few moments later. Je viens de rentrer, il est 12h30, je repars d'ici 1h, 1h20. Je voulais aller manger à CTU, etc. Parce qu'à Cité Universitaire, il y a le Crous, donc on peut manger pour 3,30€, un bon repas et tout, et pour les boursiers c'est 1€. Sauf que bah, je me suis levée beaucoup trop tard,
Donc j'ai pas eu le temps de prendre des affaires de rechange et tout. Enfin voilà, je suis partie vraiment en vitesse ce matin. Donc là, je vais me faire à manger. J'ai fait ça, donc c'est une poêlée forestière. J'ai fait tout le sachet comme ça, j'en aurai pour ce soir. Et je vais me faire avec ça un cordon bleu. Et je mets toujours un petit peu d'huile de pépins de raisin. C'est super bon pour la santé. Et ça a pas de goût. Donc là-dedans, il y a des champignons, des haricots verts, des lardons, des patates. Et vraiment, c'est trop trop bon. J'achète ça à Lidl, c'est vraiment pas cher et ça fait un repas. Pendant que ça cuit, je vais aller recharger mon téléphone parce que, entre temps, il s'est vidé de 50%. Voilà, ça c'est vraiment habituel. Pourtant, j'ai juste répondu à des messages. Hein. Vivement que je récupère mon nouveau téléphone. Et du coup, bah, je vais aller me laver et me préparer. Bon, voilà pour l'outfit incroyable. Je vais tousser encore. Ah, faut que je prenne mon médoc. Allez. S'il vous plaît, j'espère qu'il va pas me faire tousser parce que vous savez, c'est tellement gênant quand t'es la seule malade et qui tousse comme never là dans une salle où il y a 5 personnes. Hier, je l'ai pris comme ça, je me suis étouffée. Genre, il était trop gros. Du coup, là aujourd'hui, je vais le couper, je vais pas faire la même erreur. Oh, avec un petit coca. Attendez, je cherchais le coca. J'ai faim! Et ben voilà, ça c'est un bon petit repas. Une poêlée forestière, cordon bleu, coca, incroyable. Bon, il y a l'Institut océanographique, je pense pas que ça soit ça, vu que moi c'est géographique. Ah, il y a des gens là-bas, je me dis que c'est peut-être là. Et comme d'hab, je suis en retard. Regardez comme c'est mignon. Je chiale. Bon, je viens de rentrer, vous allez me dire, mais Elisa, on ne voit rien de ta rentrée. Absolument, je suis vraiment totalement d'accord, sauf que je n'ai pas eu cours. Du coup, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Alors attendez, je donne à manger à mon fauve. Vous prends juste après. Oui, I am coming. Ok. Oh, ce bordel. Oui. Ah, tu te tais maintenant, hein? Ah bah oui, tu vois la pâte arriver. Petit con. Hein. Je suis arrivée, etc. Dans la salle, je vois, il y a le mec qui me dit, on n'est pas au cours de ping pong ou je sais pas quoi, parce que je suis avec mon sac et tout, genre voilà. Je fais, mais qu'est-ce que je me raconte? C'est pas GRC ici? Il me fait, si, mais c'est les M2. Je fais, ok, super, mais moi sur le planning, c'est les M1. Il me dit, ah bon? Je dis, bah oui, du coup, en gros, bah on n'avait pas cours. Donc j'étais en mode, bon, bah je rentre chez moi, basta. Donc je passe devant un petit groupe de personnes et tout. Je me retourne. Je dis, mais vous êtes en GRC, genre comme moi, vous avez cours et tout. Il me fait, t'es Elisa? Je fais, ouais. Il me dit, bah oui, bah on est en GRC. Je fais, ah, j'ai enfin trouvé les gens de ma promo, j'étais trop contente. Donc on est que 5. Je chiale. Un amphi à 5 personnes, t'as jamais vu ça? Donc en gros, pour résumer, mon cours de 5 heures, là, c'est pas maintenant. On aura les détails que prochainement. Ce serait bien de nous prévenir avant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça m'aurait évité de faire tous ces déplacements. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas cours. On verra, je pense que ça sera mi-octobre qu'on aura cours. Et donc après, avec les gens de ma promo, on est allé se boire un verre. Donc on a bu un verre jusqu'à 18h. Donc pendant 3h, on a discuté, on a rigolé et tout. Et franchement, trop sympa. Ils sont tous très sympas et ils sont vraiment de différents milieux. Vraiment, ça n'a rien à voir de moi. Vraiment, c'est totalement opposé. En M2, j'ai vu plein de pompiers, plein de gendarmes et tout. Moi, j'étais aux anges parce que j'adore ça. Ils étaient grands, beaux, musclés. Incroyable. Et donc, bah, il y a 3 mecs et 2 meufs, dont moi. Et la meuf s'appelle Elisa aussi, donc c'est assez drôle, voilà, de Elisa. On a bien rigolé, on a bien fait connaissance. Et en fait, il y a 6 places pour ce master-là. Et on n'est que 5. Ça veut dire que la prof, elle a refusé à beaucoup, beaucoup de personnes, quoi. En fait, il y a eu 1000 dossiers, 1000 candidatures. Il y a 130 personnes qui ont été prises suite à ça. Et sur les 130 personnes, il y a donc 5 personnes qui ont été prises. Donc, c'est quand même un master assez sélectif. Si on enlève finance, c'est le plus rentable. Genre, c'est celui qui paye le plus après le master. Donc, c'est le mieux payé après la finance. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Tant tout ce qui est patrimoine et tout, ça devrait rapporter. En fait non, c'est nous qui rapportons le plus. Les prix c'était genre 4000 euros directement après le master dans les entreprises. Donc par mois, moi je crache pas dessus. Hein. Mais bon, j'aimerais bien être prof, ça serait beaucoup mieux. Et voilà, je suis assez choquée que ma directrice de master ait pris que 5 personnes alors qu'il y avait une place pour une 6e. Ils m'ont dit qu'il y a plein de gens qui ont été refusés. Même pas sur les attentes, hein, refusés.
Donc ouais, je vois même mon binôme, il était refusé directement. Je me dis quand même, la sélection a été rude et moi je suis là en mode, bah bonjour. C'est eux, ils ont fait des trucs dans la protection civile, des machins, des bidules. Ils sont pas du tout de Paris en plus, hein. Vraiment, je suis la seule de Paris. Hein. Et ils ont fait des trucs dans la protection civile, gendarmerie, enfin tous les trucs comme ça, genre des trucs vraiment très spécialisés pour le master. Et moi je suis là, youtubeuse, modèle, enfin... Je sais pas pourquoi elle m'a choisi alors qu'il y avait tellement de candidatures, elle aurait pu me refuser quoi. Mais non, voilà, j'ai hâte de la recroiser, enfin ma directrice de master. Et donc la personne qui fait cette matière-là, GGRC, donc c'est le co-directeur, donc c'est l'autre côté. Donc il y a le co-directeur qui est Paul Durand et la co-directrice qui est Marie-Hélène Delander. Cette femme-là, c'était ma prof de droit. Et Paul Durand, l'autre partie, s'occupe de l'autre M1. Parce qu'en fait on a, comment dirais-je, vous allez rien comprendre, sans vous en foutez sûrement, mais en gros mon master GGRC, le M2, il est divisé en deux M1, donc le M1 management stratégique, le mien, donc plus tout ce qui est stratégie d'entreprise, management, etc. Et l'autre M1, l'autre c'est les risques environnementaux je crois, donc tout ce qui est environnement, géopolitique, etc. Et c'est vraiment séparé, c'est pas du tout les mêmes matières, pas du tout le même bâtiment, rien à voir, vraiment rien à voir. Mais par contre en M2, hop, on se rejoint tous et on est accompagné de 5 pompiers et 5 gendarmes. Donc ça nous fait une promo à 25. Vous voyez, ce genre de promo à 25, c'est ce qu'on devrait avoir dans chaque master à Paris 1. Et en fait, c'est pour ça qu'on est aussi peu, c'est parce que c'est divisé en deux. Puis, je suis contente d'avoir fait la connaissance de enfin mon master. J'ai enfin un groupe WhatsApp, genre j'arrêtais pas de commenter un groupe WhatsApp en mode mais rajoutez-moi sur les groupes WhatsApp, je veux un groupe WhatsApp. Et donc bah je suis contente, il y a des gens aussi de mon master qui sont dans mes TD, donc ça c'est vraiment cool. Et let's go pour cette année, hein, j'ai envie de vous le dire. Voilà, donc là je viens de rentrer, il y a mon pote qui m'a dit viens à la maison et tout, on va se manger un truc, mais là j'ai la flemme de rebouger, je suis fatiguée. On devait aller en boîte ce soir. Je suis fatiguée, je suis malade, ils sont malades, on est tous malades. Ça c'est à cause du jacuzzi la dernière fois, on a fait un jacuzzi chez ma pote Cindy jusqu'à je crois 4h du matin. C'était une mauvaise idée. Il n'y a aucun point commun, il n'y a rien, mais rien. En plus ils sont taureau, gémeaux et lion, genre les pires signes astrologiques quoi. Taureau, gémeaux, je peux plus vous voir, et ils sont taureau, gémeaux et lion, j'arrive plus. Voilà, je suis entourée des signes que je déteste. Et les gens, ils m'ont dit que j'étais scorpion. Je fais, ah non, c'est mon ascendant, mais voyez le... Ah, ils ont vu le vice en moi, le chétane. Là, j'ai envie de manger, mais j'ai pas envie de manger ma poêlée forestière. Là. Le programme de demain. Alors demain, je n'ai pas TD, du coup, je commence pas à 9h30, mais je commence à 11h, de 11h jusqu'à 14h, je crois. J'ai stratégie d'entreprise. Et ensuite, j'ai 5 heures de trou. Donc on rentrera à la maison et normalement je vais pouvoir avoir mon iPhone 14, enfin ça serait plutôt pas mal. En tout cas je finis à 22h demain, je sais pas si je vais en voiture demain parce que pour se garer je sais pas trop comment ça se passe, si c'est galère ou pas. Ou est-ce que j'y vais en trottinette parce qu'à 22h il n'y a pas beaucoup de transport et ça me saoule. Surtout en tant que femme à 22h à Paris, enfin des fois ça craint et ça me saoule, ça me saoule d'avoir peur dans la rue, c'est con hein, vraiment. J'aimerais bien que ça change ce genre de choses. Putain, mon pote il m'a parlé de sushi, j'ai envie de sushi, ça y est. Il fait chier là. Après j'ai dit, oh, une raclette. J'ai envie d'une raclette. Ça fait 10 minutes que je parle. Pour rien dire. Voilà mon repas de ce soir. Ça donne pas trop envie, mais c'est super bon, c'est des toasts chèvres. Il fallait que je fasse les chèvres du coup. 3 tartines. C'est très bien, ça va me caler un petit peu parce que j'ai pas très très faim en soi. Et on va se caler devant la télé, mais incroyable, Lisa. Bon, et eh bien nous sommes le lendemain, nous sommes vendredi 16, il est 14h45. J'ai eu cours ce matin, mais je n'ai pas pu vous prendre puisque je suis partie en retard. J'avais cours à 11h, je suis partie à 10h15 pour vous dire à quel point, genre vraiment, j'ai passé une nuit de merde comme d'habitude. Hein, voilà, vous avez compris, je faisais que tousser, blablabla. Du coup, j'ai mis mon réveil à 9h, j'ai éteint mon réveil et je me suis pas réveillée. C'est ma pote qui m'a réveillée en m'envoyant un message, j'ai entendu le vibreur. J'ai vu, il était genre 9h55 et je devais partir à 10h. Du coup, je me suis réveillée, j'ai mangé un peu, j'ai essayé de faire un minimum d'efforts, mais bon, c'est catastrophique. Après, je suis partie et j'ai eu des petits problèmes de transport, mais je suis arrivée à l'heure, entre guillemets, genre le cours n'a pas commencé quand je suis arrivée. Donc ça c'était vraiment bien ce cours je trouve, c'était de la stratégie d'entreprise, c'est une prof qu'on a déjà eue en L2,
et qui est très mignonne, vraiment, elle est toute mignonne, et en plus elle s'occupe des Erasmus. Je souhaite faire un Erasmus, donc j'aimerais bien que ça se passe bien avec elle, tout, parce qu'en plus elle est vraiment trop mignonne, vraiment c'est une dame trop gentille et tout. Et donc le cours s'est bien passé, je vais vous montrer mon cours, comment je l'ai pris à la main pour vous montrer un petit peu. Et en fait là aujourd'hui je devrais recevoir mon iPhone 14, enfin. Donc je vais essayer d'aller à la FNAC, même si j'ai pas reçu des SMS de confirmation, etc. Je vais essayer d'y aller au culot parce que mon téléphone n'a plus de batterie, je l'ai utilisé pendant 3 heures, je n'en peux plus. Les abonnés se plaignent sur Instagram comme quoi la qualité des stories est nulle à chier. Je confirme, du coup voilà, ça me saoule, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est ElisaBRTOff. Donc voilà, je vais essayer de chercher mon iPhone. Et j'aimerais bien faire une vidéo ASMR avec le déballage et tout de l'iPhone que je mettrai sur mon Instagram en réel. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. J'aimerais bien filmer aujourd'hui mais il n'y a aucune lumière. Alors vraiment c'est la dèche en lumière aujourd'hui. Il fait super moche. Je suis arrivée comme ça en short et tout. Comme ça, genre vraiment au calme, sans veste. Je suis allée dehors, j'avais froid, donc je vais me changer, je vais mettre un pantalon et ma veste en cuir parce que j'ai trop froid. Et on va manger. Donc on va manger, prendre des médicaments. Elle m'a dit qu'au bout du troisième, ça irait mieux. Je suis toujours autant malade. On va se faire le dernier cordon bleu, hein, et on va se faire une poêlée que j'avais faite hier je crois. Cordon bleu, flemme de faire la poêle, je vais le faire au micro-ondes. Beaucoup de gens me jugent quand je le fais au micro-ondes mais je vous jure c'est flemme quoi. Tu mets ça une minute au micro-ondes et c'est fait. Tous mes potes ont une angine, on est tous à bout. Je sais pas, je sais pourquoi on a une angine. En même temps c'est pas très étonnant, hein. Vraiment... qui se fout dans un jacuzzi quasiment à poil là? Alors qu'il fait moins 15, il n'y a que nous pour faire ça. Donc je vais faire chauffer ça, le micro-ondes. Et je sens que mon micro-ondes est en train de me lâcher. Donc il va falloir que je regarde pour en acheter un autre parce qu'il ne chauffe quasiment plus. Voilà, je suis ravie, c'est des dépenses que je n'avais pas prévues. On va prendre ce médicament que je vais découper en 3 cette fois-ci parce que j'en ai marre de m'étouffer. Parce que je le ressens dans le gosier, c'est horrible. Et du coup, on avait cours avec d'autres masters et donc j'ai pu voir d'autres gens, on a fait connaissance avec d'autres gens. Donc, chacun de mes amis est dans un master différent. Du coup, ils ont fait connaissance avec des gens. Et donc ça ramène plus de gens à notre groupe. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Ah ouais, ça passe mieux là. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, je le ressens, c'est... Ah. Oh. Bon, et bien c'était le dernier, je n'ai plus de batterie. Ah putain, je me ressens dans la gorge, c'est dégueulasse. Alors j'ai reçu un mail du Crous en disant que mon dossier était incomplet car je n'ai pas donné la décision de justice du divorce de mes parents. Putain, j'en ai ras le cul. Sauf que bah, je l'ai envoyé, mais je crois qu'il... Enfin, je sais pas, genre décision de justice, divorce, PDF, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, je l'ai envoyé, tu vois. Et il dit non, copie complète de la décision de justice, mais en fait, c'est ça ma décision de justice, j'ai rien d'autre. Monsieur ! Alors, en fait, je vais renvoyer la même pièce, donc c'est complètement con. Donc, voilà, parce que je n'ai rien d'autre en soi. Je vais peut-être demander à mon père. Enfin, je vais peut-être l'appeler, tiens, ce sera plus simple. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, c'est chiant de pas avoir de batterie, hein, je vous le dis, hein. Vraiment, c'est très très chiant. Déjà, à quel moment tu demandes une décision de justice des divorces de mes parents d'il y a 20 ans, genre au bout d'un moment Ouais, mon chat, t'as vu? Genre, c'est n'importe quoi, on est d'accord? Alors, attendez, je demande à mon père. Papa. En plus, on est vendredi, on va pas voir les... Oh, ça m'énerve. Pourquoi ils répondent un vendredi? Copie complète de la décision de justice, mais c'est ça! Qu'est-ce qui me casse les couilles? Non, mais le Crous, les caractères quoi ne sont pas autorisés? Déjà, est-ce que tu m'enlèves les apostrophes? Faut que j'enlève les points? Faut que j'enlève quoi? Vous savez ce que c'était? Bah, en fait, je ne pouvais pas aller à la ligne. Du coup, je vais aller voir si mon téléphone est disponible. En espérant qu'il le soit, parce que ça... Parce que j'ai vu sur leur site que là, c'était épuisé. Donc, vu que j'ai précommandé, je me dis peut-être que t'as vu, il y a possibilité, tu vois. Je ne pense pas. Mais bon, l'espoir fait vivre. Donc je vais prendre mes petites affaires. Je vous emmène avec moi? Oui, je vous emmène avec moi. Bon, eh bien, je suis partie bredouille. Le monsieur m'a dit que c'était pas arrivé en magasin.
Donc il m'a recommandé de revenir demain ou dimanche. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une galère de recevoir l'iPhone. Je me dis, là j'ai vu sur internet, c'était mi-octobre que les gens allaient recevoir. Je me dis, moi, ça va être un petit peu la même chose. Donc je suis dégoûtée. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Il y a pire dans la vie. Là, je vais faire du montage, il est 16h, je repars à 18h, puisque j'ai un cours de 19h à 22h. Prince, le canapé, c'est pas un arbre à chat. T'es vraiment casse-couille, non mais... Quel moment tu fais ça, Prince, je m'étouffe. Il est 17h50, je vais pas tarder à y aller. Je suis un peu fatiguée, là j'ai eu un coup de barre, j'ai fait un petit câlin à un prince. Il est trop mignon mon chat, je l'aime trop. Donc là j'ai 3 heures de cours jusqu'à 22h. J'avoue ça craint, enfin je pense que je vais m'endormir sur place. J'espère que le cours est pas trop chiant. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un cappuccino. Donc en fait tu mets une cup de, ou deux cups de poudre, j'espère que c'est encore bon, et tu mets de l'eau bouillante et ça te fait un cappuccino. Donc voilà, mon cappuccino est prêt, donc c'est trop bien. Hop, par contre il est bouillant. Hop, et maintenant bah c'est parti pour 3 heures de cours jusqu'à 22h. Je suis ravie. Bon, je suis en retard mais je fais une pause pour vous montrer ça. C'est trop beau avec les lumières et tout. Plus précisément, c'est un cours sur plus largement. J'adore cet amphi. C'est débat filmé, les gens. Exactement. Théologie. Bon, ça y est, je viens de finir mon cours. Il est actuellement 22h. Voilà, la qualité est horrible. La nuit, c'est une catastrophe. Il était génial, ce prof. Vraiment génial, génial. Je rentre et je vous raconte tout parce que vraiment. Une pépite. Bon, je vous explique pendant que je me démaquille. Donc c'est un prof qui est vraiment incroyable. C'est l'un des plus prestigieux, si je peux dire ça comme ça. C'est un prof qui a eu la Légion d'honneur, la médaille du mérite. Il était à HEC, il a deux doctorats, c'est un ingénieur. Enfin, le mec, il a tout. Et en seulement... Enfin, il a eu tout à genre 33 ans. Genre vraiment, c'est un monstre. Et en gros, bah, son cours, bah, c'était pas vraiment un cours. Mais il a parlé de la Sorbonne et franchement c'était super intéressant, j'ai adoré. Et en fait on va faire de la recherche et il a parlé beaucoup de tout ce qui est prof. Il a dit en gros que cette matière là c'était fait pour les personnes qui voulaient être prof. Du coup j'étais trop contente, en plus il a l'air très très avenant, très gentil. Enfin moi je pense que ça peut être un bon atout pour mon futur. Donc franchement parce que moi je veux être prof à la fac et vraiment j'ai adoré. Il est très très humble, il est vraiment d'une simplicité d'esprit incroyable. Et du coup j'ai ce même prof demain, donc ça c'est vraiment bien. Et de ce qu'il nous a dit, en gros on n'aurait pas de partiel, donc ça c'est vraiment génial, je suis vraiment ravie. Mais on aurait des travaux à rendre tout au long de l'année, donc c'est deux choses à rendre en individuel et après il y a un gros projet de groupe, donc c'est vraiment beaucoup de taf. Mais franchement s'il n'y a pas de partiel, moi je suis ravie, comme ça au moins on a nos notes, on sait, etc. où est-ce qu'on se positionne. Et puis bon, au moins on peut préparer les rendus en fait. Donc on va faire beaucoup de recherches sur un logiciel qui s'appelle R. Je pense que vous devez connaître pour certains ce logiciel-là, moi je ne le connaissais pas, c'est Excel version supérieure. Et donc on a fait une petite pause et j'ai vu plein de personnes de mon ancien TD. Et je suis trop contente de les revoir et tout, il y en a qui ont été repêchés il y a deux jours. Enfin vraiment, c'est n'importe quoi cette année, genre... J'ai vu un mec, je me dis mais ouais, je pensais que t'avais pas de master et tout. Il me dit bah ouais, j'étais appelé il y a deux jours et tout. J'arrive, je débarque, je fais waouh, c'est trop bien. Donc voilà, je suis assez contente de revoir certaines têtes. Parce qu'en plus, c'était des gens vraiment méritants. Donc vraiment trop contente. On a une bonne petite équipe, je trouve, cette année. Il y a beaucoup de gens avec qui on s'entend bien. Et il y a une bonne entente. Enfin, ça n'a rien à voir avec la licence, vraiment, mais rien à voir. Et voilà, franchement, il y a une bonne entente, même dans mon master. Après, j'étais pas avec eux aujourd'hui. Ils sont restés entre eux et moi j'étais avec des... Enfin j'étais un peu avec tout le monde. Parce que en fait, je connais beaucoup de gens, du coup ces gens-là ils connaissent d'autres gens. Du coup je fais connaissance avec ces autres gens et ça fait un micmac incroyable. Et je vois dans certains TD je suis avec des potes. Enfin vraiment, vraiment je pensais... Enfin j'appréhendais quand même un peu la rentrée.
Je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs sur mon Instagram, j'attends de la rentrée. Franchement, je suis pas du tout déçue là pour l'instant. Après, les cours en soi, je les trouve pas intéressants. Sauf celui d'aujourd'hui, le prof il a l'air super, mais les autres cours, je les trouve vraiment nuls. Mais la promo a l'air vraiment géniale parce que on a tous été sélectionnés, durement sélectionnés. Donc on est tous des bosseurs, on n'est pas des branleurs, on veut vraiment, on en veut, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, donc là je suis rentrée, il était 23h30, j'ai mis 1h30 pour rentrer. Je suis à bout parce que j'avais plus de bus, j'ai dû attendre le bus 45 minutes. Donc je pense que la prochaine fois je prendrai la voiture. Parce que en fait c'est surtout une question de sécurité, parce que l'arrêt de bus là où je vais c'est en face d'un RER. C'est pas très bien fréquenté et attendre pendant 45 minutes seule en tant que femme, c'est pas incroyable. Je pense que je viendrai en voiture même s'il y a des bouchons et tout, la sécurité primera toujours. Donc voilà, je vais manger un petit coup parce que j'ai un petit peu faim mais je vais pas faire un repas de fou. Je pense que je vais me prendre du gâteau à la banane avec un yaourt, un truc comme ça, bah, vraiment un truc assez simple. Ah, je vous ai pas montré mon cours. Bah, je vais vous le montrer, attendez. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je prends mes cours sur l'iPad. En gros, moi à la fac, je suis connue pour avoir des cours incroyables. Donc je vais vous montrer. Voilà, celui-là, il est pas incroyable mon cours, hein. Vraiment ça, voilà. Mais moi, je fais ça d'une manière tellement synthétique que mon cours, c'est une fiche de révision. Alors, je vous montre mon cours de stratégie d'entreprise. Donc là, en fait, c'est les notes que j'ai prises à l'iPad. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Les titres, j'ai fait sur l'application Studio. Et voilà, après c'est moi qui ai écrit. Et en fait ce que je fais pour quand j'ai des cours comme ça, il y a souvent des PDF. Donc ce que je fais c'est que je scinde mon écran en deux. Je mets ça en petit pour avoir un PDF à côté. Et j'écris comme ça. Donc je passe mes cours comme ça à regarder ce qui n'a pas écrit dans le PDF, je mets là en fait. Donc voilà, là on a fait. Donc en gros ça... ça prend plus, oh, je pense que ça prend 4 pages d'un ordi normal. Et eux ils écrivent beaucoup et moi en fait je synthétise directement. Donc voilà, je synthétise énormément. Je mets pas, enfin j'écris pas toutes les phrases là, détermination, machin, etc. Je fais détermination, début, machin. Enfin je fais en mode fiche directement. Donc ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent mot pour mot, etc. Moi c'est pas du tout ça. Donc voilà pour mes petits cours. Demain j'ai donc un cours sur la big data, data science. C'est le métier qui rapporte le plus en ce moment. Parce que c'est un métier très très rare. La data science c'est vraiment un métier qui vaut très très cher. Où t'es très très bien payé. Et donc on va faire ça demain pour avoir une formation. C'est toujours bien d'avoir ce genre de formation au cas où. Et c'est le même prof donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc c'est de 11h à 13h et après à 13h45 j'ai un rendez-vous et après je serai vide pendant 4 jours donc ça c'est vraiment cool. Bon, nous sommes le lendemain, j'étais partie pour aller en cours comme d'habitude en retard. Et ma pote Cindy qui me dit qu'il n'y a pas cours parce que la Sorbonne est fermée. C'est la journée du patrimoine. Du coup, il y aura plein de touristes dans notre fac. Donc impossible de faire cours. Donc j'ai fait demi-tour. Voilà. Je suis contente parce que moi, je vais pouvoir boire mon café parce que j'ai pas mangé. J'ai pas bu de café. Je suis partie vraiment très en retard. Mais sinon, pour les TD, je suis toujours à l'heure. Mais c'est juste que là, j'ai une flemme. Donc on va se faire un petit café glacé. Aujourd'hui le programme, donc demain je devais aller en cours à 13h et je devais manger avec un ami à 13h45. Donc je vais partir vers midi et demi, 13h moins le quart pour le rejoindre à Opéra. On mange à Opéra là, à côté d'Opéra. Et après je rentre à la maison et je vais essayer de faire mon remplissage d'ongles parce que là c'est plus possible. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi je travaille le week-end à Truffaut. Et là, je suis en arrêt jusqu'à mi-octobre pour me reconcentrer sur moi-même. J'ai des problèmes de santé, etc. Du coup, voilà, je suis en arrêt, donc j'ai 4 jours de repos, en fait. J'ai le samedi après-midi, dimanche, lundi, mardi. Donc Dieu a entendu mes prières parce que j'avais demandé à Dieu et au karma et à tout ce qui peut être spirituel d'avoir une année un peu plus chill. Où je vais pouvoir me reposer et bah là j'ai ça, donc je suis trop contente, ça va me faire du bien mentalement parlant de ne pas travailler, même si voilà financièrement ça va être un peu plus compliqué, mais la santé mentale en premier parce que l'enfer de l'année dernière je ne veux plus jamais le revivre. Écoutez, pour cette journée qui se prépare, c'est le bordel dans l'appartement comme vous pouvez le voir, c'est n'importe quoi. J'ai des vidéos à monter aussi et voilà, donc je vous retrouverai cet après-midi pour vous montrer mes ongles. J'espère que je vais pas mettre trop de temps à les faire. Normalement non, ça va être assez simple, je vais pas
trop y toucher, je vais juste remplir. Donc voilà. Ça faisait longtemps avec la FNAC. Ça faisait très longtemps. Un service après-vente déplorable. Donc là, je les appelle parce que bah, ma commande est en attente de validation depuis le 12 septembre. Au bout d'un moment, c'est bon, j'ai payé via PayPal, il y avait les sous, il n'y a pas besoin d'attendre, de valider. C'est validé. Donc je vais voir avec eux comment ça se passe parce que au bout d'un moment, c'est bon quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de commandes. Mais c'est la FNAC, hein, il serait temps de se bouger un petit peu le cucu. Et ils savent très bien qu'il y a l'iPhone 14 qui sort, au bout d'un moment, on prend les précautions, enfin je sais pas, genre... C'est du risque, voilà, encore une fois, c'est de la gestion de risque. Visiblement, ils ont pas fait mon master. D'accord, ok, on va essayer de patienter. Donc au moins, ça a été pris en compte, et dès que ça sera pris en compte, la commande sera plus en attente de validation, du coup. Je suis dégoûtée. Ça sera expédié le 5 octobre, minimum. Donc voilà, je suis ravie. Du coup, je lui dis, mais en fait, j'ai perdu l'offre au week-end. Celle-là, elle a 10 euros offerts tous les 100 euros d'achat. Ça m'aurait fait 140 euros dans la cagnotte et j'aurais pu essayer d'acheter avec mon Apple Watch ou quelque chose comme ça, tu vois. Et je suis dégoûtée. Donc c'est que au mois d'octobre que j'aurai mon téléphone. Je suis à bout. Parce que là, voilà, il est 11h35, j'ai utilisé mon téléphone pendant une heure, et il est déjà à 60%. Ça ne tient pas la route, ce téléphone, et j'en peux plus. Je ne sais pas qu'il serait aussi long à arriver, ce téléphone. Et il m'a dit, heureusement que vous avez précommandé, parce que toutes les personnes qui vont acheter maintenant vont peut-être avoir une commande annulée, etc. Je me dis, ok. Et sur mon PayPal, en gros, c'est marqué en attente de la FNAC. Pour contacter le fournisseur. Mais en fait, je sais pas, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre les entreprises. Tu sais que tu vas sortir un produit que tout le monde veut avoir et qu'il y aura des milliers de commandes. Mais prévois. C'est ça, c'est la gestion des risques. Je comprends pas. Genre, tu prévois, tu fournis les FNAC, tu fournis tout. Sinon, tu mets pas une date de lancement, tu la mets à plus tard. Non, en vrai, je comprends pas. Peut-être qu'il y a un coup de pub, marketing... Ça montre encore une fois que c'est rare, donc ça t'as envie d'encore plus d'acheter. Mais vraiment, c'est casse-couille parce que quand t'as pas de téléphone viable et tout, c'est vraiment compliqué. Bon, bah du coup, comme c'est la journée du patrimoine, j'ai essayé de vous emmener à la fac. Je pensais pas passer par la fac là, mais peut-être vous faire un petit détour pour vous montrer à quel point c'est beau à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, je peux pas vous montrer parce qu'il y a tellement de gens, tellement d'étudiants et tout. Qui travaillent en plus dans les amphis, donc c'est pas ouf de filmer ça, mais là je pense qu'il y aura des touristes, mais ça peut être sympa de vous montrer comment est la fac. Donc c'est parti, vu que c'est la journée du patrimoine, c'est l'occasion de visiter, puis même vous, hein, si voilà, vous avez envie de visiter l'année prochaine, la fac, n'hésitez pas, parce que c'est une très très belle fac qu'on a. Donc là on va aller visiter la Sorbonne. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens à Descartes. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde aussi à la Sorbonne. On a mangé à l'Opéra. Et après, mon ami a dû me quitter parce qu'il avait un rendez-vous. J'étais trop dégoûtée. Il fait beau, il fait chaud. On est ravis. Donc là, c'est le grand hall. On n'y va jamais en tant qu'étudiant. C'est plus tout ce qui est science, nous, management, etc. On est plus de l'autre côté. En fait, normalement, il y a une peinture qui montre les gens d'une certaine école, je ne sais plus le nom, avec les recteurs, les professeurs de sciences, les professeurs de droit, les professeurs de lettres. Et en gros, il y a une belle fresque, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est.
Donc là, on entre plus dans la partie où on passe le plus clair de notre temps. Les allées comme ça, elles ont plusieurs prénoms, Richelieu, etc. Et pour se repérer, c'est une galère. Bon, là, je sais pas si vous reconnaissez, mais moi je passe par là pour aller à mes amphis. Donc là c'est la cour d'honneur, là où s'est passé mai 68. Et en fait nous on passe par là pour aller dans tous nos amphis. Donc on va jamais de ce côté là, on va plus de ce côté là-bas, où c'est plus management. Et voilà, je passe le plus clair de mon temps ici et je rentre par la droite. Du coup je vais aller vous présenter mes fameux amphis, où il n'y a pas de fenêtre. Vous allez voir, c'est rigolo. Voilà pour cette visite. Ils ont montré que les belles choses, ils n'ont pas montré hein, les petites salles un petit peu délabrées, etc. C'était vraiment que les belles salles. C'est dommage qu'ils aient pas montré vraiment les amphis, Turgot, Descartes, etc. Et puis ce qu'on a vu là, c'est qu'un dixième de la Sorbonne, parce qu'il y a plein de galeries, c'est vraiment un labyrinthe. Ouais, après ils peuvent pas tout montrer, c'est normal. Au moins vous avez pu voir la belle partie de la Sorbonne, parce que c'est vraiment très joli comme ça. Même si voilà, c'est juste une fac normale avec des salles un peu délabrées, mais voilà, elle est trop belle la cathédrale. Et le soir elle est illuminée, elle est magnifique. Après la Sorbonne, il y a plusieurs entrées, là c'est la principale. C'est celle-ci, mais sinon il y a plusieurs entrées. Sur la gauche, vous en avez une, c'est celle qu'on prenait quand on était en L3. Mais sinon, on se pose souvent ici avec la fontaine et tout, c'est super joli. Avec ça là, oh, incroyable! Bon bah du coup je suis rentrée à la maison, je me suis un petit peu posée pour me reposer parce que je me suis un petit peu posée, j'avais plus de batterie sur le téléphone, voilà, comme d'habitude. J'ai fait des stories sur Instagram en vous montrant la fac. En fait mes potes ils ont réagi, ils m'ont dit mais t'es où, t'as la Sorbonne, genre c'est notre Sorbonne à nous, genre ils étaient tous choqués de la beauté des lieux parce qu'on a tellement pas l'habitude. Et en fait la bibliothèque qu'on a vue dans les images, en fait c'est accessible que pour les masters en lettres, donc c'est même pas pour nous. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas du tout représentatif de notre situation éducative, on va dire ça comme ça. Enfin voilà, après les facs sont toutes pareil en soi, elles ont toutes les mêmes salles, mais c'est vrai que la Sorbonne c'est vraiment très joli dans le sens où c'est comme un pays si vous voulez, on a notre propre justice, les policiers ne peuvent pas intervenir dans la Sorbonne, on dit pas je suis à la Sorbonne, on dit je suis en Sorbonne, c'est comme si tu disais je suis en Espagne, tu dis pas je suis à l'Espagne, enfin voilà, nous c'est on doit dire, de base on doit dire je suis en Sorbonne parce que voilà on a notre propre tribunal, on a notre propre législation, on a nos propres policiers à nous. Ça, assez intéressant, l'histoire de la Sorbonne, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a une fresque en fait dans notre amphithéâtre Turgot, donc je pense que je vous l'ai montré hier vraiment vite fait, où en gros c'est un cours de théologie, donc il y a le professeur au milieu avec les élèves et à la fin le professeur est payé avec la quête des élèves, et en fait ça montre la pauvreté de la Sorbonne à l'époque.
Et en fait, t'as Robert de Sorbonne, donc ça je vous l'ai montré dans les images aussi, il y a une statue de lui dans le grand amphithéâtre. Il a vu voilà, qu'il y avait vraiment de la pauvreté, il a inventé je crois le crous, enfin une espèce de crous, et en fait au fur et à mesure c'est devenu le crous. Et enfin voilà, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Le cours de théologie était en latin, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le quartier latin. Et voilà, en fait, tout a une belle origine dans toutes les fresques que vous voyez à la Sorbonne, dans chaque amphi, même pour ceux qui sont à Paris 1. Enfin, vous voyez des vaches, des choses comme ça. En fait, tout a une signification et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère sincèrement que j'aurais pu voilà, vous faire découvrir un petit peu ma rentrée. Donc là, c'est vraiment pas très représentatif parce qu'il n'y avait pas de TD et j'avais très peu de cours. Mais voilà, la semaine prochaine, ça commence vraiment. Donc je ferai d'autres petites sessions, une semaine avec moi, etc. À la fac. Mais c'est vraiment très galère de filmer parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la caméra d'un coup et donc j'ai pas envie de les flouter H24, ça me gonfle. Voilà, c'est un peu galère, mais c'est les gens, en tout cas, il y a une bonne ambiance et j'ai hâte, j'apprendais beaucoup et en fait j'ai hâte de commencer cette année parce que je pense qu'elle va être cool. Et je vous ai pas montré mes ongles, mais j'ai fait un petit verre. Il est trop beau ce verre. Voilà. Et mon chacha qui gueule parce qu'il veut s'appâter. Oui, mon cœur. Regardez-le avec sa queue là. Hop là, hop là. T'es un hypocrite, toi. Hein. Oui, t'es un hypocrite. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un immense pouce bleu. Ça me ferait trop trop plaisir à me suivre sur mon compte Instagram qui est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos très ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.